Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et je suis contente de vous retrouver, apicultrice et tricoteuse, contente de vous retrouver. Contente de vous retrouver. Merci d'abord pour l'accueil que vous avez fait à mon tuto citrouille. Je suis si contente de vous voir tricoter ma citrouille. Enfin, elle est bizarre cette phrase, mais c'est toujours hyper satisfaisant déjà de savoir que le tuto fonctionne, que ça marche, que je me suis fait comprendre. Ça, c'est un truc un peu fou. Et que ça vous ait donné envie d'en tricoter, c'est super réjouissant. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de deux objets terminés, deux tricots que j'ai vraiment fini, bloqués et que je vais vous présenter. Je vais vous montrer un petit peu mes encours, les castons qu'il y a eu, il y en a eu plein, mais en fait, il y en a qui vont se mettre en pause. Les choses dont je ne peux pas parler ici, parce que c'est une préparation de cadeaux de Noël, ça y est, ça commence. Et des choses qui vont arriver. Autrement dit, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais essayer de pas durer trop longtemps non plus parce que bon, les épisodes à rallonge, je suis pas trop pour. Donc voilà. Et puis je vais essayer de vous intéresser parce que les blabla inutiles, voilà. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. J'ai terminé mon Skyline Tea de Tori Yu. Je prends ma tablette. Et je vous en parle. Ok, Skyline Tea, je vous montre, by Tori Yu. Je vous montre en essayant de ne pas la faire tomber. Voilà, Skyline Tea. C'est un patron qui est en anglais, qui coûte 9,55 €. Il y a 214 projets. C'est un t-shirt plutôt facile à tricoter. Et je vais vous en parler maintenant, si je retrouve l'étiquette du fil. Là, par contre, avec toutes les étiquettes qui traînent, ça va être compliqué. Je sais qu'elle est par là. Non, bon, c'est pas grave. Vous me croirez sur parole pour le fil. Le Skyline Tea, la construction est plutôt... construite. On commence par faire ces bandes, ces deux bandes sur les épaules, les deux bandes d'épaule. Une et deux. En fait, on vient tricoter une certaine longueur de côte. A priori, il me semblerait que ce soit 3-1. Et on va relever les mailles le long de cette bande pour faire le demi-dos. Pareil pour faire le demi-dos droit et gauche. On rejoint en rond. On fait toute la partie dos. En fait, après, on fait pareil devant. Donc, on vient tricoter... le demi-devant droit, le demi-devant gauche. On fait des rangs raccourcis, je crois, au début, sur le dos, pour creuser l'encolure, puisque quand on le tient par le milieu, on voit que c'est plus haut derrière. Donc, ça veut dire que ça va faire un bel arrondi. Ensuite, on tricote en rond. On vient rejoindre en rond à une certaine hauteur. Et puis, moi, j'ai tricoté jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la pelote. J'ai tricoté mes petits manches ronds, là, mes petits bouts de manches, en rond, tout classique, tout normal. Puis là, le bas du corps. Ça a été hyper long parce que c'est du jersey en droit, en aiguille 3,25 avec ma taille. Et il y a une aisance positive de 15 cm. Je vous dis pas. Alors, je vais le mettre tout de suite pour vous montrer vite fait comment ça va. J'arrive. La magie du direct. Ou des vidéos. Voilà, donc ça donne ça. Donc en fait, il y a une aisance positive des deux côtés. Il est grand là, on croit que là c'est tout vide là. En fait, bon, je vais pas vous montrer mon corps de rêve, mais voilà. Je suis super contente. La matière, donc j'ai pris Merino Tencel de chez Florence Le Steel Knitting en coloris Colorado. Et en fait, c'est ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça fait un peu marron glacé. Il y a des sous-tons de rose un peu. C'est une couleur qui est très belle. Je vais le garder, je suis bien avec. Et je trouve que finalement, ces couleurs un peu marronnées rose me sied pas mal. Du verbe soir. Soir, pas comme le soir. Se voir. Je
pas pourquoi je m'engage dans un truc d'orthographe, de conjugaison, mais bon. J'aime bien la forme du t-shirt. Les épaules tombantes, je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit style un peu décontracté. Ça m'arrive là parce que bah forcément j'ai fait des petites manches au bout, donc c'est pas trop long ni trop court, c'est pas embarrassant. Franchement, il est, oh, je suis trop bien, j'adore ce truc. À refaire, j'en ferai un autre avec la même matière. J'ai du Merino Tencel de chez Didier parce que là j'ai utilisé pour faire la taille. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Alors j'ai pris 15 cm d'aisance positive. J'ai dû faire la taille 137, donc la taille 6. Je pense que j'ai fait la taille 6. Je pense. 137 ou 147. Pour qu'il soit grand comme ça, j'ai peut-être fait 147. J'en sais rien, je me souviens pas. Bon, après, j'ai utilisé 3 pelotes plus à peu près la moitié d'une autre. Parce qu'il est grand, en fait, puis je l'ai voulu long. Je peux pas vous montrer, mais voilà, je l'ai fait assez long. Je suis très contente de cette couleur, ça donne un côté un petit peu plus sage que ce que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette couleur. Donc ça, c'est le premier tricot que j'ai terminé. Un tricot terminé égale un tricot qui commence. Mais je vous en parlerai après. J'ai tricoté aussi, j'ai fini un deuxième tricot que je vais vous montrer. Et je suis tout aussi contente de ce tricot. Alors, je vais prendre ma tablette pour vous montrer, pour vous parler du patron, parce que je me souviens pas ce que c'est. Je me suis tricotée. Vous savez, j'avais commencé des chaussettes Halloween, avec de la laine de chez Hobby, couleur, dans leur collection d'Halloween, de la laine à chaussettes, qui était noire, violette et orange. Sauf que cette laine, malgré que je la tricotais en 2,25, je trouve qu'elle était un peu détendue. Tellement détendue qu'à un moment donné, j'ai vu la vidéo de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je te fais plein de bisous, Christelle, qui parlait de faire des mitaines du modèle de... Je vais vous en reparler là tout à l'heure. C'est un modèle gratuit. Et je me suis dit, si je repartais sur des mitaines... Donc au lieu de tout défaire, j'ai gardé mon montage de chaussettes, puisque j'ai commencé par les côtes, et j'ai fait... des mitaines d'Halloween. J'adore. Ah non, c'est inverse. Voilà. J'adore, j'adore. Donc, c'est des mitaines qui sont exprès trop longues pour pouvoir, enfin trop longues, pour pouvoir, hop, mettre les côtes sur le revers, reverser les côtes, replier les côtes. Non mais franchement, oh j'adore, j'ai une super idée. Donc un peu large, mais bon ça c'est cette laine qui est un petit peu plus, je sais pas, elle est plus extensive. Mais franchement la couleur, c'est trop beau, j'adore. Donc c'est le modèle, je vais vous en parler tout de suite. Je reprends ma tablette. Il s'agit des mitaines Warm and Simple de Chimpy and Woolies. C'est un patron gratuit sur Ravelry, très facile, à mon avis débutant compatible. On commence par les poignets, on fait un gousset pour le pouce, on part tout droit, on fait des côtes et franchement, c'est quelque chose vraiment de easy. Je me demande si je ne vais pas m'en tricoter encore une ou deux paires pour l'hiver, pour pouvoir changer selon mon humeur. Non mais là franchement, je crois que je vais les garder toute la journée tellement j'adore les couleurs. Franchement, les couleurs bien Halloween. Donc là, par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus long ici. Parce que les mitaines qui commencent ici, là, pour moi, c'est pas possible. Quand je mets un pull, il faut pas que l'air passe. Si je mets des mitaines, c'est que j'ai froid. Donc là, en remontant le bas de la mitaine, ben voilà, j'ai, enfin le haut, c'est pas en quel sens on les prend. En remontant le haut de la mitaine, l'air passe pas avec une manche de pull. Donc j'ai fait vraiment un paquet de rangs plus que préconisé. Après j'ai fait le gousset du pouce. C'est facile, il faut mettre deux marqueurs, augmenter entre les deux marqueurs. Je peux en parler, c'est un patron gratuit. Et après, on vient monter ici, on met les mailles à part, on isole les mailles du pouce. On monte tout droit, on fait des côtes un peu plus longues que
Encore, j'aurais pu faire plus long parce que j'ai des grands doigts. Oui, j'ai des grandes mains. Donc, mes doigts dépassent. J'aurais pu faire un tout petit peu plus long. Mais pour moi, c'était suffisant parce que j'ai jamais très, très froid. Quand j'ai vraiment très, très froid, j'ai des gants qui sont doublés polaires à l'intérieur que je mets vraiment pour les grands froids. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Donc, j'ai utilisé, je pense, la moitié de chacune des... enfin, de la pelote. En fait, j'avais d'abord divisé la pelote en deux. Je pense que j'ai utilisé la moitié d'une moitié, un quart de pelote pour faire mes mitaines. Comme des, un peu plus petites que des chaussettes. Je suis trop contente. Les couleurs et tout, c'est trop beau. Hein, ça fait son effet. Hein. Donc voilà, les deux tricots terminés, le top et les mitaines. Et là, on va parler des encours et des encours. Parce que il y en a trop, mais c'est très bien. J'aime beaucoup avoir beaucoup d'encours, c'est bien. C'est bien pour moi. On va parler des chaussettes. Vous savez, dans mon super sac Kiabi. Je vous en ai parlé de ce sac, hein, Kiabi. Oui, parce que c'est bien redesign. Alors après, on est d'accord, c'est du cuir. Hein. Mais là, on enlève un zéro pour 9 euros. Vous avez le sac. Franchement, et puis on peut changer si on en a marre. Donc là-dedans, j'ai mes chaussettes Spooky Sock de... Charlotte Stone Knits. Donc vous savez, enfin je sais plus trop ce que je vous ai montré la dernière fois. J'ai fini la première chaussette. Donc là j'ai utilisé le Jacquard en Magic Loop avec la technique dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Oh, c'est super joli, adorable. J'adore ce dessin. Donc là, en toute logique, je suis censée continuer en noir. Je suis pas sûre, je pense que je vais faire des rayures. Parce que j'adore ce rose et c'est dommage de plus le voir. Et je fais des pareils. Parce que j'ai oublié de faire des pareils, pas pareils. Et puis, franchement, il n'y a pas l'inverse en patron. Dans le patron, elle n'a pas fait un diagramme opposé. Et ma tête, je suis incapable de faire le patron opposé. C'est-à-dire d'imaginer que le noir, c'est l'autre couleur. Je ne peux pas. Donc bah, j'ai dit c'est pas grave, comme je suis pas je m'en fous, c'est pas très grave. Du coup j'ai commencé la deuxième chaussette, donc là elle est sur l'envers, tout début, parce que je veux faire ce jacquard là avant de dérouler les deux jacquards enfin les deux chaussettes en même temps. Voilà, donc ça avance tranquillement. Quand j'ai envie de faire de la chaussette, je fais quelques rangs de jacquard. Je suis contente parce que c'est joli, c'est chouette. Elles seront sûrement finies pour Halloween. En attendant, la prochaine paire, dont je vous parlerai plus tard. Ensuite, en encours que vous connaissez déjà, j'ai le... Oui, c'est ça. Le pull Vélaris. Le pull Vélaris que je tricote avec de la laine de Didier de l'année dernière. Ce bleu qui est pas du tout Nil Saphir, qui est Akhenaton sur Stellina. Stellina Silver, c'est une ancienne base. Ah, un poil blanc, mais ça, c'est Happy. Et... Ouais, ça sent super bon. Donc le Vélaris modifié, parce que j'ai utilisé le début du patron Vélaris de NCL Knits pour avoir la taille, parce que je sais que les patrons de Nadia sont très bien gradés. Donc je savais qu'en prenant ma taille, j'aurais pas de souci de taille au niveau du patron. Et comme le motif Vélaris, c'est un petit point de vague tout en haut de l'encolure, ça me suffisait pas. Donc j'ai choisi de rajouter le motif du ranunculus. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça donne une encolure travaillée, pas trop large, donc ça veut dire que, voilà, ça va pas descendre jusqu'à la poitrine et ça sera correct, mais féminin avec les petites fleurs, là, c'est juste, oh, trop beau. Donc, le Vélaris modifié, je le tricote en mode zéro cerveau, puisque je suis à dérouler le corps. J'en suis à là sous l'encolure, ça a progressé, puisque la dernière fois que je vous ai vu, enfin, ou que je vous l'ai montré, je devais en être à peu près là. Ça prend son temps, ça suit son cours. Je tricote en méthode hélicoïdale pour pouvoir alterner les écheveaux, parce qu'ils sont quand même très nuancés. Donc, ça donne un dégradé, enfin c'est pas un dégradé, ça donne des nuances en rayures, ça évite d'avoir du pooling.
Alors, il y en a pour qui ça fait rien. Moi, j'aime pas du tout avoir des taches de couleur. J'aime bien quand c'est harmonieux. Et là, en l'occurrence, ben, ça reste harmonieux. Ça fait des traits, donc ça va, ça reste... c'est propre. Ça ne me fait pas une grande tache blanche ici où voilà, on voit des zones, mais c'est équilibré. Voilà. Donc ce pull, c'est mon objectif du moment. Tricoter ça tranquillement. Quand j'ai pas envie de réfléchir ou de me concentrer, je tricote le Velaris. Ce bleu, bah, je trouve qu'il est vraiment pas mal aussi. Alors après, oui, évidemment, hein, on a chacun sa colorimétrie. Bah, moi, j'ai envie de dire. Ça me va tout autant. Ça me choque pas. J'ai pas l'air forcément malade en mettant du bleu. Et puis même j'aurais l'air malade, bah c'est pas grave. J'aime, donc c'est ça qui compte. Je mets ce que je veux et je tricote ce que je veux. Pull Velaris en cours. Un en cours. Les chaussettes, deux en cours parce que les chaussettes, si si, ça compte. C'est un en cours comme un autre. Ah, faut que je fasse gaffe de ne pas coincer ma laine dans la fermeture éclair, ce serait bien. Mis les aiguilles, donc deux en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite sur mes aiguilles? J'ai pas tant de choses que ça. Je vais regarder dans mes. Alors, je vous ai raconté que je suivais sur Knit Companion. Donc en fait, on a une page où on peut mettre tous les projets. Projets. Et on peut, au fur et à mesure, les mettre dans une page. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand ils sont finis, je les enlève pour pas que ce soit tout encombré. Alors, les projets. J'ai parlé... De... Ah oui, bah oui. Alors, le Vulpix, je peux pas vous le montrer parce que j'ai décidé... Donc, je continue de le tricoter. Je m'acharne, malgré que je suis encore dans le début avec ces fameux intarsias. Mais j'ai décidé de prendre mon temps et de l'offrir à Noël à mon mari. Donc du coup, je ne le montre plus sur la chaîne. Si vous voulez le voir, avancez, je vais cette semaine mettre ma page Ravelry à jour. Comme ça, vous verrez sur ma page Ravelry tout ce dont je ne peux pas parler sur cette chaîne. Notamment les deux en cours dont je ne peux pas parler, dont un qui est terminé, qui est là, mais je ne peux pas vous le montrer, et un autre qui est en cours. N'hésitez pas à aller voir ma page Ravelry. Halloween Socks, eh ben Halloween Socks, c'est celle de Charlotte Stone. Ça, je peux pas vous le montrer. Bijou roux, le petit chat bijou, je l'ai pas touché du tout. Et là, donc j'ai commencé. Ouais, ben, je suis obligée de vous montrer ce que j'ai commencé en fait. En fait, j'ai pas tant d'encours que ça. Hein. C'est fou. Mais ça va pas durer. Donc j'ai commencé le hier soir. Et un petit peu ce matin, mais j'y vais tout doux. Le nuit estivale que j'ai appelé le châle des sisters. Le nuit estivale, vous savez, je l'ai déjà tricoté deux fois cette année, ça sera la troisième fois. C'est un châle de l'atelier des tricopathes. Je te fais des gros bisous, Cindy, si tu passes par ici. Ce châle est un châle largement débutant compatible. Est un châle, un patron qui coûte 6 euros par l'atelier des tricopathes. J'essaie de vous montrer ça. Châle nuit estivale. Voilà, c'est un châle asymétrique, coucou Cindy, qui commence par une pointe. On augmente suivant un rythme et on rabat quand on arrive à la fin de sa laine. C'est un châle que j'ai déjà tricoté deux fois cette année, qui est vraiment, vraiment débutant compatible. Il y a 73 projets sur Ravelry. C'est un châle à un écheveau. Donc, on peut utiliser entre 366 mètres, 400 mètres ou 480 mètres. 366 mètres, par exemple, avec un écheveau de single, ça passe. Avec un écheveau de Mérino Yak et Soie, comme la Tibétain de Didier, ça passe. Avec un écheveau de fingering classique, ça passe. On peut s'amuser avec les couleurs, faire péter les couleurs dans tous les sens. C'est ce que j'avais fait avec celui de ma maman. J'avais tricoté avec le, vous savez, les pelotes de Milcolor de Lang. Donc voilà. Et le premier, je l'avais fait avec un écheveau de Mérino Cachemire Nylon,
de Didier. Vous savez, c'était couleur menthe chocolat. C'était pas ça, hein, le nom de la couleur, mais ça faisait vraiment la couleur menthe chocolat. Et là, donc pour le tricoter, j'ai choisi une base que j'ai achetée au 24 heures tricot. C'est la base Merino Yak et Soie Single. C'est la même base que la Tibétain de Didier, en coloris plume noire, qui est un... Oh, c'est beaucoup plus foncé dans la vraie vie. Que je mets dans le cake de Madeleine. Vous savez, ce petit cake avec ces petits ours qui font les andouilles. Mais j'adore! Non, mais alors, franchement, j'adore le petit sac à cake de Madeleine. Oui, que je remets comme il faut, parce que j'aime bien quand c'est bien mis. Voilà, avec le fond qui est tout doux. Alors, franchement, celui-là, c'est mon préféré. Non, mon préféré, c'est les petits vikings. J'ai un petit truc particulier avec les vikings barbus. Tatoué aux cheveux longs. Bref, on va arrêter là cette discussion. Plume noire. Donc ça, c'est un noir très nuancé qui est de toute beauté. Et j'ai envie. Alors, c'est marrant, hein? Plume noire du luni, ouais. J'ai une phase où j'ai envie d'un peu plus de simplicité ou de sobriété, où je suis attirée par des couleurs peut-être plus sombres, mais c'est mon côté sombre qui fait surface. J'adore. Ouais, j'adore. Donc là, je suis en train de... J'ai juste commencé, je vais vous montrer. Donc, plume noire de l'atelier de Vigny. C'est magnifique. Alors, j'utilise un contrant parce qu'en fait, la répétition, on a une répétition à répéter. Tous les 10 rangs. Parfait, c'est idéal pour mettre un contrant. Donc, j'ai mis un petit contrant. Alors, je me souviens plus où je l'ai eu celui-là. Halloween. Une petite citrouille. Un petit fantôme. Voilà. Et voilà où j'en suis. Alors oui, j'ai dit, c'est le début. C'est le début. Tout début. Donc il y a les jetés d'un côté. Est-ce que vous allez les voir là? Ouais. Et puis on a ces rangs de jetés de trous au milieu. Voilà. Un petit nuit estival. C'est super. On pourrait l'appeler nuit automnale, mais j'ai décidé de l'appeler le châle des sisters parce que je le tricote avec Elodie. Je te fais des milliers de bisous, ma petite Élodie. J'espère que tu vas bien. Élodie, vous savez, c'est mon petit coup de cœur des 24 heures tricot. En même temps, j'en ai eu tellement des coups de cœur. Marlène, bon, je peux pas reciter tout le monde. Mais Élodie, je sais pas, il y a eu une connexion particulière, un petit truc. Donc, on s'est dit, on va se monter un petit châle toutes les deux. Et puis, du coup, j'ai Mimi qui s'est jointe à nous. Parce que, Mimi, c'est pareil. Mimi, c'est tout un truc. Donc, voilà, ce châle, il sera vraiment, il va nous réunir et je trouve ça chouette de faire des. J'aime bien faire des tricots qui nous réunissent, oui, qui nous réunissent, qui nous autour d'un seul encours. Je sais pas, je trouve ça trop trop bien. Donc voilà pour le nuit estival. D'ailleurs, en parlant de châles qui nous réunissent, je pense que je vais changer d'avis. En fait, en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me décider sur les combos de couleurs. Je décide une couleur, je reviens dessus, je change d'avis, je reviens dessus. Je ne fais que ça. Donc au début, je présente un combo et je dis, je vais le faire avec ça. Et en fait, je fais pas du tout avec ça. En parlant de châle qui nous réunit, je vais tricoter à partir du 12 ou du... Ouais, du 12, je crois, ou du 11 peut-être, mais le 12, je pense. Octobre, lorsque je vais aller vendre le miel à la traîne chez Timeco, chez Sandrine. Je vais commencer un châle avec Pauline et Laetitia, coucou les filles, qui est le Close to You de Justina Lorkowska, qui est un patron gratuit. Et j'ai décidé, mais je vais peut-être encore changer d'avis, j'en sais rien, c'est ça le problème. Si je fouille un peu dans mes laines, que je vois des jolies couleurs, il est possible que je change d'avis, surtout que bon, j'ai du choix. Est-ce que je vais rester dans la sobriété ou est-ce que je vais, au dernier moment, je vais partir avec un écheveau où je m'y attends pas. Je vais donc tricoter le Close to You. C'est un châle qui est aussi destiné à tricoter un écheveau. Donc j'ai choisi d'utiliser le scarabée de Sabine, vous savez, ce fameux scarabée que je n'arrive jamais à tricoter. Non pas que ce soit un problème de laine, c'est qu'à chaque fois ça va pas.
C'est une base qui est 70% alpaga, donc hyper. Oui, j'ai deux échevaux. Très, très doux. 20% de soie, donc très, très doux. Et 10% de cachemire. Donc c'est hyper. Non, mais eh, franchement, oh, c'est doux. Sauf que le close to you, j'ai peur que ça fasse serpillière. Il me faudrait finalement un fil pour le tenir un peu, le maintenir en duo. Donc je ne sais pas encore. Je vais voir. Peut-être que je vais changer d'avis. Oh bah tant pis, je changerai d'avis, on verra bien. Donc ça, c'est pour mes encours. Ce qui va tomber sur mes aiguilles à partir de demain, parce que demain, nous sommes le 1er octobre, et je commence un cal qui s'appelle le... Je vous en parle tout de suite. Je cherche dans ma bibliothèque le Witch's Brew Coal de Stéphanie Lodven. Je vous montre. Witch Brew Coal de Stéphanie Lodven. Stéphanie Lodven, elle design des cols qui font comme des châles, mais qui s'enfilent par la tête. Je vous montre un exemple. Gathering Flowers, par exemple. Voilà, elle fait des cols comme ça. Et je trouve ça super beau. Et Chantal, elle avait tricoté le... Elle en avait tricoté un l'année dernière, je m'en rappelle. Le Morning Sunshine. Et j'avais essayé de le tricoter... Mais j'avais utilisé des bleus, j'avais voulu le faire dans plein de nuances de bleu, et je m'étais dit, tiens, si je mettais un petit coup de fluo au milieu. Donc j'avais fait des bleus un peu grisés, c'était magnifique. J'avais mis une rayure de fluo, et là, il y a eu un flash, et j'ai dit, on dirait un truc de chanteur. Ça faisait bleu marine, gris. Puis d'un coup, le fluo, j'ai dit, non mais, manque plus qu'il faut que j'écrive dessus, Gendarmerie nationale. Bon, bah du coup, j'ai tout défait, j'ai dit, ça va pas. Ouais, ouais, c'est vrai que j'en ai jamais reparlé après dans les vlogs, mais bon, bah. Donc du coup, je me suis dit, cette année, je voudrais faire son col sorcière, parce que c'est un col sur la thématique d'Halloween et des sorcières. Les seuls indices qu'on a, c'est le choix des couleurs et cette superbe photo, oh, que je trouve, mais, magnifique. Ah, on peut pas la zoomer plus? Ok, je vous la montre comme ça. Oh, c'est trop beau. Quand j'ai vu cette thématique-là, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose. Donc, elle préconise 5 couleurs qui vont... Donc, pour elle, elle a pris du violet, du jaune, du violet, du noir, du orange et du blanc. En fait, c'est 6 couleurs. Alors, moi j'ai choisi. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la photo là. Moi, je vais la regarder sur ma tablette à côté. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comparativement. Son blanc, moi j'ai choisi Tricot et Stitch Single Snowy Owl. C'est la chouette des neiges. C'est blanc, c'est joli, c'est blanc. C'est blanc grisé, c'est magnifique, c'est une très très belle couleur. C'est tout doux, c'est de la single. Son orange, elle a utilisé du orange dans son combo. J'utilise une couleur que j'ai teinte l'année dernière, pain d'épices. Pain d'épices à fond, pain d'épices. Il en faut pas beaucoup, donc j'ai pris un 20 grammes. Après, elle a un bleu marine très foncé. J'avais pas de très foncé, donc soit j'utilise Miss M comme Mademoiselle de... Ça doit être l'Enamouré, je pense, en Stellina. Soit j'utilise, il me reste du noir de Didier, du Anubis, l'ombre d'Anubis. On va voir. Son rose, qui est pas rose, mais qui est un peu rose, j'utilise du rose fluo avec du néo de Didier, avec les néons là qui brillent la nuit. Rose, je me rappelle plus du nom de la couleur. Didier, bah écoute. Je suis désolée, hein, je me souviens plus, ça doit être élixir égyptien? Peut-être bien. C'est fort possible en fait.
Ouais, ça se pourrait. Bon, je sais pas. Ensuite, son jaune, eh bien, j'utilise un mini de mon petit Didier. Ah ouais, donc, c'était le dernier mini qui me restait de mon calendrier de l'Avent. Mais c'est bien, je suis contente parce qu'il y aura bientôt un nouveau calendrier. Donc c'est plutôt chouette. Et en violet, son violet foncé, là, qu'elle a très foncé, j'ai pas. Ça aurait été bien si j'avais eu du velours de bulbe bizarre, ça aurait été bien. C'est vraiment la même couleur, ce violet très très foncé. Je sais même pas si un mini m'aurait suffi. Mais bon, bref, j'utilise ça, du fluo. Et on verra ce que ça donne. Donc le combo global, ça donne ça. Voilà. On verra parce que ça va peut-être être plus foncé. Ça va peut-être être plus foncé. Je pense que ça peut encore se moduler. Mais je garde la single, la pain d'épices, la jaune, c'est sûr. Voilà, ces trois-là, je les garde. Peut-être que ces trois-là vont changer, je ne sais pas encore. On verra. C'est selon mon humeur. Donc ça va commencer demain. Donc je commence les indices dès demain. Jeudi, se greffe le MK de Stephen West. Qui est là? Oh, j'ai trop hâte. Mais j'ai hâte, mais j'ai hâte, mais j'ai hâte. Dans mon sac de petite Couseuse & Co. Oh, en plus, ce sac, mais il est trop beau. Oh, j'adore. Et donc, le cal de Stephen West. J'ai encore changé d'avis. Je ne sais même pas si je vais rester sur ce combo-là. Donc, je vous avais dit le gris que j'avais teint, mais du coup. Donc, je garde le rose de Sabine. Parce que il est quand même super beau. Ouais. C'est... En plus, c'est de la single. Oh là 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 là. Single plus rose, je crois que ça bouge pas. Mais à côté de ça, j'avais voulu utiliser du gris, gris noir que j'avais teint. En fait, j'ai fait une petite commande chez Didier. En fait, parce qu'il avait. Il avait proposé des combos pour le MCAL. Et puis, je lui ai demandé de m'en garder un parce que c'était trop beau. Et puis, effectivement, quand je l'ai ouvert, j'ai dit. Mais il l'avait associé à du fluo. Est-ce que je les ai par là? Je sais pas où je les ai mis, ces deux fluos. Il y en a tellement, il y en a partout autour de moi de la laine. Je suis dans un bain de laine. Ah, mais ils sont là. Oui, bon, je ne vais pas vous les montrer. Je vous les montrerai quand je les tricoterai. Donc, je lui ai pris. Ah oui, bah, c'est ça. Domiris. C'est exactement ce que j'ai là en retour écran. C'est-à-dire que c'est un violet très, très, très foncé. Noir. Ça fait cet effet noir comme ça. Ah ouais, c'est même encore plus foncé. C'est pas mal parce que du coup, à la caméra, vous voyez la nuance violette qu'on voit moins en vrai, en fait. En vrai. Ça fait violet, mais ça fait très noir. Que là, oh, c'est beau. Donc, imaginez avec ça. Ben oui. Oh, ça va faire contraster ça parfaitement. On peut mettre du mohair. Donc, j'ai deux options. Soit je mets du gris, pour rester dans un côté très douceur. Ça fait très doux, hein, très. Oui, ça fait doux. Soit. Je fais un peu moins doux. Voilà. Bah, ça passe bien les deux. Ça va être compliqué de choisir. En fait, ça dépendra du design, je pense. Je vais bobiner quand même le gris. Ça dépendra de ce que je vais voir. Parce qu'en fait, je vais me spoiler dès le début. Je vais aller regarder la fin de sa vidéo pour voir déjà la forme, sur quoi on part. Est-ce qu'on peut détecter d'avance la forme? Est-ce que ça va être un demi-lune ou un truc qui part dans tous les sens? Parce que pour le géogradient, il préconisait un peu un gradient, puis finalement on n'a rien gradé du tout. Enfin, c'était hyper tranché, c'était très contrasté. Donc là, je vais voir un petit peu ce que ça donne, et puis bon, j'aviserai à ce moment-là. Donc il y a deux projets qui vont sauter sur mes aiguilles, dont un demain. Un, donc le machin là, le Gogo Dynamo, il va commencer le 3. Donc ça c'est mardi, ça c'est jeudi. Lui là, le Close to You, je le commence le 12. Ce qui me laisse le temps normalement de faire mon nuit estivale avant le 12. Comme ça j'enchaîne sur ce petit châle à un écheveau. Oh, on est pas mal. Là j'attends avec impatience les cales qui vont commencer. Il faut juste que je m'organise. Faut que je m'organise. C'est-à-dire que.
Je me dis, je me mette pas la pression pour du tricot, que je me dise, bon, bah, là, aujourd'hui, je tricote ça, et puis cet après-midi, je ferai ça, et puis voilà. Je reviendrai vous voir, parce que j'ai du montage à faire. Et puis, je vais encore bâiller. Oh, je vais me faire un bon café. Je vais monter la vidéo du concours que j'ai commencé à tourner hier. Ouais, je vais vous monter la vidéo du concours et vous la proposer aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Et puis, je vais commencer le montage de cet épisode. Et puis, je reviendrai vous voir probablement demain matin pour clôturer et vous parler un petit peu apiculture et abeilles. À demain! Bonjour, bonjour. Pourquoi je dis ça? Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, je suis très très en retard dans le vlog de mon salon avec ma chaise, vous savez, ma chaise qui grince, pour finir ce vlog, clôturer l'épisode. Parce que j'étais en train de faire le montage, j'ai à peu près 38 minutes de vidéo. Là avec aujourd'hui, ça fera 38 minutes plus un quart d'heure. Je m'engage encore dans des calculs. 54 minutes. J'ai dit au pif, on verra bien. Bon, bref. Donc, je viens d'abord vous parler du châle nuit estivale. Parce que je le tricote en faisant mon montage. C'est un châle qui est, je vous l'ai dit, il est zéro cerveau. Et il est vraiment zéro cerveau. Ça veut dire que faut suivre pour l'espacement. Ah oui, alors, petite parenthèse. Je remets mon attelle. J'ai vu mon médecin pour mon épicondylite. Et je passe une échographie des deux coudes le 15 octobre. Et il m'a conseillé vivement de mettre l'attelle pour, donc avec les barres, pour éviter ce mouvement-là qui tire le tendon et ce mouvement-là qui pousse le tendon. Tous les mouvements du tendon font que ça accentue la douleur. Sachant que avec toutes les péripéties d'apiculture qu'on a eues, qu'on a fait, le travail autour des abeilles, je me suis bousillé le coude. Bon. Bref, parenthèse finie, tout va bien, je me soigne, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, vous verrez l'attelle, donc ne vous inquiétez pas. Le châle nu estival, voilà où j'en suis. Alors, sur le modèle, j'ai rien à dire. C'est un patron de syndiqué. Je vous l'ai déjà dit, hyper bien expliqué. Il est super beau, j'adore. En plus, là, contrairement aux deux autres, je suis le patron à la lettre pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que les mailles glissées, je suis pas sûre de les faire. Parce que ça m'oblige à faire un mouvement supplémentaire, mais bon, je vais, voilà, je vais les remplacer par du jersey en droit et ça sera très bien. Mais l'espacement qui est donné avec les petits trous fait qu'il a une certaine ampleur. Cette couleur, si je l'ai choisie, c'est parce que j'avais envie de me tricoter un petit châle noir, parce que le noir, c'est une couleur qui va à tout le monde, et moi, en l'occurrence, j'adore le noir. J'aime beaucoup les couleurs très sombres. Et je trouve que les couleurs sombres vont mieux avec mon teint, mes couleurs d'yeux et de cheveux, etc. Donc, voilà, j'aime le noir. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. J'avais choisi aussi cette matière parce que je connais cette base de laine. Pas forcément chez cette teinturière, je connais cette base de laine en général, puisqu'il s'agit de la Merino Yak soie, et c'est tout, et c'est déjà pas mal, de 480 mètres pour 120 grammes, qui était la base tibétain single de chez Ophidorus, que j'ai utilisée et que j'ai défait, mais j'ai un écheveau libre, en couleur un rose qui était magnifique et qui s'appelait, Didier, tu me l'as dit, vous savez, j'ai déjà oublié. Et j'ai aussi obtenu cette base en achetant la box de Noël de l'année dernière de chez Écheveaux Solidaires sur la thématique du Père Noël est une ordure et on avait deux écheveaux de cette base. Donc je connais la base. Donc je savais en achetant cet écheveau que j'aurais un châle tout doux qui me piquerait pas et noir. C'était parfait. Oui, je dis c'était parce qu'en fait, j'ai un petit souci au niveau de la laine. Alors, le souci, c'est que une laine noire, c'est une laine qui est très teinte, mais ça teint aussi les doigts. Alors là, vous le verrez pas beaucoup parce que je me suis lavé les mains, mais ben, quand je tricote, j'ai les doigts tout noirs. Ça me pose un problème. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que quand je vais le rincer, le bloquer, donc oui, on va me dire, tu peux mettre un peu de vinaigre blanc. Oui, bon, ben, je suis pas neuneu non plus.
Mais quand je vais le rincer, ça va m'enlever toutes les nuances. Donc, c'est dommage parce que y a quand même des nuances. Voilà, on le voit là, il y a des zones un peu plus claires, un peu plus sombres. Si je mets mon vinaigre blanc, ça risque d'uniformiser le tout. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Et le deuxième problème, c'est que si ça fixe pas la couleur, parce que je suis pas teinturière, moi je sais pas comment on fait, si ça fixe pas la couleur, le fait de le bloquer avec un petit bouchon de vinaigre blanc, je vais avoir le cou tout noir, ça va être dégueu. Donc du coup, là, je suis un peu dans une incertitude quant à la suite de cet en cours. Je suis déçue. Je suis un peu déçue. Alors, j'ai contacté la teinturière qui m'a malheureusement pas répondu. Alors, si tu passes par là, Virginie, ce serait bien de me dire ce que je peux faire. Alors, il n'y a pas de souci. Hein, je suis pas... Il n'y a pas d'animosité ou de quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème, justement. Je t'en parle par là, puisque sur le... Enfin, voilà, j'aurais bien aimé que tu me répondes pour me dire quoi faire. Parce que c'est dommage, c'est magnifique. Et si je le fais en entier, il sera de toute beauté. Voilà, ça me contrarie un petit peu. Je voulais aussi vous préciser que dans ce cal, enfin, c'est pas un cal, hein, je dis ce cal, mais c'est pas du tout un cal, puisque je tricote ce châle avec Elodie, mon amie Elodie. Mon binôme Elodie, ouais, j'en ai sur les doigts. Non, ça se voit pas. Donc, du coup, je tricote avec ma petite Elodie. Je tricote aussi avec Mimi qui s'est jointe à nous. Je fais pas de groupe sur Insta ou sur WhatsApp ou nulle part ailleurs. Parce que les groupes, comment vous dire? Alors, quand mon téléphone il bip toutes les 10 secondes parce que ça discute trop, je peux pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que, en fait, on se montre nos avancées de temps en temps. Regarde, j'en suis là. Oh, c'est beau, j'en suis là aussi, voilà. Et puis, ben, on tricote ensemble. Et puis, c'est un châle qui... Voilà, qui sera symbolisé par ce petit regroupement. Il y a Corinne, la provinciale, à qui j'envoie des gros bisous, qui se joint à nous pour tricoter ce petit châle. D'ailleurs, si certaines d'entre vous veulent le faire, bah, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on peut le... Je ferai pas de groupe, hein, donc... Si vous voulez en constituer et me mettre dedans, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis pas bavarde dans les groupes. Par contre, si vous voulez le tricoter avec nous, maintenant, il n'y a aucun souci. C'est maintenant. Il n'y a pas de délai, de date, de machin, de truc. Simplement, bah, de temps en temps, on se montre nos avancées. Au pire, vous mettez sur Instagram en story et moi, vous me taguez. Comme ça, je vois où vous en êtes et je partage en story. Et puis comme ça, on sait qu'on tricote ça ensemble. Le châle nu estival de Cindy, donc le patron, au top. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Je serai à la traîne chez Timeco Tissu le vendredi 11 et le samedi 12 octobre, du matin au soir. Je vais venir avec du miel et du miel. J'ai pas encore eu le temps de faire des bougies parce que bon, j'ai que deux mains, enfin une main et demie. Donc c'est un peu compliqué. Les bougies, vous en aurez pour les portes ouvertes de Didier. Et deuxième info, bientôt. C'est pas tout de suite. Prenez votre mal en patience. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Il y aura une boutique en ligne. Oui, oui, oui. Je vous dis pas pour moi le truc que ça représente, mais j'y travaille. À la traîne, je viens avec du miel. Et justement, je voulais vous parler un petit peu miel. Je vous mets une photo ici. La photo, c'est... c'est le résultat de l'extraction et de la mise en pot du miel. Le miel que j'ai apporté au 24 heures tricot, c'est celui qui est le plus clair. Le miel qu'on a extrait et mis en pot là, les semaines qui précèdent, la semaine dernière et hier soir, pardon, il est beaucoup plus foncé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a mis des ruches ici au jardin, quand il y a eu la miellée du tournesol. Parce que, à côté de chez nous, le champ qui est juste là, derrière chez nous, il était blindé de tournesol, il y en avait un peu partout. Donc on s'est dit, il y a un endroit, un rucher qui était, enfin, certaines ruches qui étaient placées à un endroit où il y avait peu de ressources, on s'est dit, on va les rapprocher des fleurs de tournesol pour qu'elles puissent se faire une réserve et éventuellement en stocker dans les hausses. Le miel que j'ai vendu au 24 heures tricot, il était toute fleur, mais il y avait peut-être un peu plus de tournesol. Je
Je vous ai expliqué que je ne fais pas analyser mon miel parce que c'est quelque chose qui, pour le moment, est trop coûteux. Je peux le faire analyser pour déterminer la part, la portion, le pourcentage de fleurs de chaque fleur différente. Ça a un certain coût. Et quand j'aurai un peu plus de bénéfices, enfin de revenus là-dessus, je pourrai le faire. Là, c'est encore trop tôt cette année. Donc, le miel qui est plus clair avait un peu plus de fleurs de tournesol. Les miels, je vous ai expliqué que depuis le début de la saison d'apiculture, les abeilles, elles ont, à cause de cette météo, consommé ce qu'elles stockaient. Elles ont stocké de l'acacia, il a fait mauvais, elles l'ont consommé. Mais elles n'ont pas tout nettoyé les alvéoles, donc il en restait légèrement. Après, il y a eu le châtaignier, elles ont consommé, etc., etc. Et puis, à la fin de la saison, en août, on a tout extrait d'un coup, parce qu'à chaque fois qu'on allait voir les hausses, les abeilles, elles avaient consommé. Donc, ça ne servait à rien de récolter 3 grammes de miel. C'est abîmé. Donc, c'est pour ça que quand on les a transhumées vers le tournesol, elles ont stocké le tournesol et on a enlevé les hausses. Donc, il est un peu plus jaune et il est plus visqueux, plus épais. Plus épais, mais pas solide. Il coule, mais il file. La texture n'est pas la même. Et ça, c'est en fonction des fleurs qu'elles butinent. Celui que vous allez avoir à la traîne aux portes ouvertes chez Didier et sur la boutique, ça sera le miel d'été aussi, mais il sera sans tournesol. Donc, il est plus foncé, châtaignier ronce, plus liquide, peut-être l'acacia qui a donné cette texture en début de saison. Voilà, c'est un miel toute fleur d'été, il n'y a pas de différence, sauf que sur ces deux lots, il y a une petite différence. Il me reste de ce miel jaune. Je l'apporterai pour que vous puissiez voir la différence. Là encore, je ne peux pas, j'ai pas un stock phénoménal, ça se compte pas en tonnes. Parce qu'un apiculteur qui a beaucoup de ruches, il compte son stock de miel en tonnes. Oui, moi je compte en kilos. Donc, je ne peux pas vous faire goûter le miel cette année. L'année prochaine, si la saison est bonne et que j'ai plus de stock, je vous proposerai des petites dégustations. Là, cette année, je suis désolée, je ne peux pas encore. En plus, pour déguster, il faut que j'investisse dans des bâtonnets, des petites... tout du matériel. Et là encore, du fait que ça démarre, il faut laisser le temps. Donc, vous pourrez déjà comparer les couleurs des deux miels différents. Il y en a un qui est légèrement plus jaune, l'autre qui est plus foncé. Et puis, vous me croirez sur parole, celui qui est plus foncé a un goût un peu comme le miel de printemps de l'année dernière, un peu plus corsé. Ça a toujours le goût du miel et des fleurs, hein, mais plus corsé, un peu plus, je sais pas comment dire, plus boisé peut-être. Alors que le miel que j'ai vendu aux 24 heures tricot, le premier miel, est plus doux, il a un bon goût de miel et de fleurs, et il est plus épais. On pourrait presque en faire des bonbons, je pense. Bref, voilà, donc je voulais quand même vous préciser ça parce que quand vous viendrez à la traîne, j'aurai deux miels différents. Et quand je proposerai dans la boutique, s'il me reste de ce miel un peu plus jaune, je vous le proposerai miel, je mettrai une différence. Enfin, de toute façon, vous le verrez à la couleur. Mais je vous préviens maintenant, la boutique n'est pas encore ouverte. Quand ça arrivera, vous serez prévenus à travers cette chaîne YouTube et sur ma page Instagram. Je prends mon temps parce que je comprends pas tout. Pourtant, il me semblait que j'avais la lumière à tous les étages. Certains diront que non, mais bon, moi, a priori, l'informatique, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus la nature, le bien-être et l'informatique. Pour moi, c'est compliqué. Déjà, le montage, c'est quelque chose de, j'arrive à le faire, mais j'ai vite mal à la tête. J'ai du mal à rester pendant des heures devant mon écran, donc. Je me lève, je vais plier mon linge, je vais faire autre chose pendant le montage. Donc, je vous dis pas le temps que je perds. Je brasse beaucoup parce que ça me ronge, je sais pas. Donc, c'est compliqué. Donc, je vous dis pas si je dois gérer une boutique en ligne, même si j'ai que deux produits ou deux articles, le truc que ça représente. Donc, soyez patients, ça vient, vous serez prévenus. Et c'est chouette, je suis contente de tout ça, c'est trop bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que comme on est mercredi, je vais aller monter ce petit bout de vidéo que je viens de tourner. Je vais uploader la vidéo,
je vais aller faire quelques courses, partir à la pharmacie, tout ça, la vraie vie. Et après, en revenant, je la mettrai sur YouTube pour que vous, pour que vous puissiez la voir cet après-midi, ce serait bien. Sachant que ça met quand même un petit temps. Hein, donc, bon. Donc, je me dépêche, je vous fais à tous des gros bisous. Bisous, maman. Et je vous dis à bientôt.